grec, j'aurais été clairement du côté des barricades, j'aurais été sur les barricades, que le Parlement grec s'est transformé en succursale du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, du système bancaire européen, et que la légitimité du côté de la rue, clairement. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est solidaire du peuple grec, et on est là aussi pour réclamer l'annulation pure et simple de la dette en Grèce. Et au-delà de la Grèce, réclamer une grande enquête publique, une grande enquête citoyenne, un audit, pour savoir qui détient quoi dans ces fameuses dettes publiques, qui spécule sur quoi, pour permettre à la population d'annuler ces dettes illégitimes. Et je crois que ce qui s'est passé à Athènes, ce n'est pas simplement des accidents, c'est une manifestation de masse, et des gens en ont absolument ras-le-bol, et qui vont en famille à l'assaut du Parlement. La crise, elle est sociale, elle est économique, elle est maintenant politique, et la question qui se pose, c'est de savoir quel type de construction européenne on veut construire.